bonsoir. Nous sommes quelques jours avant Gimel Tammuz, le jour de la Hiloula du Rabbi. Cette date n'est pas celle d'une simple commémoration. Elle est celle à la fois d'un approfondissement et d'une élévation. L'approfondissement concerne chacun, car le 3 Tammuz est un de ces instants privilégiés où l'on peut se retourner vers soi-même et réfléchir à ce que l'on a accompli et à ce qui reste à accomplir. L'élévation, car en ce jour, comme l'enseignent nos sages, la Neshama, l'âme du Baal Ha'iloula, du Rabbi, s'élève et entraîne avec elle tous ceux qui veulent s'attacher à lui. Hier, dans les synagogues, nous avons lu dans la Torah le récit des explorateurs qui furent envoyés par Moshe. Et cette semaine, la Torah nous relate l'épisode de la révolte de Korach et son assemblée. À travers ces deux récits, on remarque comment deux personnes peuvent vivre une même expérience de vie, mais en tirer des conclusions très différentes, chacun en fonction de sa perception et de sa vision du monde. Ainsi, la Torah relate l'histoire des 12 chefs de tribus que Moshe envoya pour explorer la terre de Canaan, qui va devenir plus tard la terre d'Israël. À leur retour, ils sont appelés à rendre compte de leur mission au peuple tout entier. 10 de ces espions rapportent que le pays est habité par des géants et des guerriers invincibles, alors que Yehoshua et Caleb ont un rapport radicalement opposé. Pour eux, la terre peut être conquise comme Dieu l'a promis. Les explorateurs s'exclamèrent « Ki chazak hu mimenu » car il, le peuple, habitant en terre de Canaan, est plus fort que nous. Rashi souligne le mot « mimenu » qui veut dire « que nous » et l'interprète différemment. Il explique que les explorateurs dirent, s'il est permis de s'exprimer ainsi à l'égard de Dieu, ils sont plus forts que lui, que Dieu lui-même. En d'autres termes, non seulement les explorateurs avaient perdu confiance en eux-mêmes, mais ils avaient également perdu leur foi en Dieu. Alors que Yehoshua et Caleb, eux, restèrent fidèles à leur foi, ils s'exclamèrent face à leurs collègues, « Alona aleve yarashnu ota »« Montons et prenons-en possession. » Rashi explique « montons » même au ciel. Même si Dieu nous demandait de faire des échelles et de monter, nous réussirons. Nous réussirons tout ce qu'il nous demande de faire. Voici deux groupes de personnes chargées d'une tâche identique, mais qui à la fin arrivent à des conclusions totalement opposées. L'un d'eux revient avec un rapport élogieux sur une terre où coulent le lait et le miel, facilement accessible, facilement conquérable, alors que pour le second groupe, cette conquête est perdue d'avance et est tout simplement impossible, impossible même pour Dieu. Rashi explique dans son commentaire que les explorateurs sont partis accomplir leur mission avec les mêmes intentions qu'ils eurent à leur retour. De même que leur intention était mauvaise à leur retour, elle l'était à leur départ. On voit clairement que les 10 explorateurs, dès le départ, n'étaient pas impartiaux, neutres. Ils avaient déjà un point de vue bien précis de leur mission. Et d'ailleurs, Yehoshua et Caleb aussi n'étaient pas neutres. Avant leur départ, Moshe ajoute au nom de Hoshea la lettre Yud, faisant référence à la première lettre du nom de Dieu, pour que Dieu lui vienne en aide et qu'il ne tombe pas dans le piège et la faute des explorateurs. Et Caleb aussi, nous disent les sages. Lui ira prier sur la tombe des patriarches à Hébron, à Hébron. Il fut le premier de l'histoire à aller se recueillir sur la tombe d'un tzaddik. Il pria lui aussi pour être sauvé du complot des explorateurs. 12 explorateurs. 10 sont partis en mission avec une mauvaise intention, un esprit négatif. Ils revinrent avec cet esprit négatif, alors que Yehoshua et Caleb partirent avec un esprit positif. Et ils revinrent aussi avec ce même esprit, fidèles à leur foi. Permettez-moi de partager avec vous une histoire du Rabbi. Charlie Roth était le rédacteur en chef d'un journal national aux États-Unis. Il rencontra le Rabbi en Yéchidout et il présenta son journal au Rabbi en disant « Dans mon journal, j'écris sur tous les sujets, même si je devais écrire des sujets qui sont négatifs sur la communauté juive, c'est le rôle d'un journaliste d'être objectif et honnête, même s'il s'agit d'écrire contre son frère et sa sœur. »
Il conclut fièrement que sa rédaction était complètement indépendante et objective. Le rabbi lui répondit et lui dit « Indépendante, peut-être, mais objective, c'est pas possible. Il est humainement impossible d'être complètement objectif. Nous avons tous un vécu avec des préférences ou des convictions qu'il nous est difficile de mettre de côté. » Le rabbi a offert au monde juif un immense cadeau, celui de regarder le monde sous un angle positif. Ce n'était pas un détail dans l'action du rabbi, c'est l'essence à partir de laquelle dérive sa vision du monde, de l'humanité, de l'histoire, de sa résilience pour faire face à l'adversité et de sa théologie. La vision du monde du rabbi était imprégné de l'idée que ce monde que Dieu a créé possède le potentiel de refléter pleinement l'infinie bonté et la perfection de son créateur. Le rabbi citait souvent le grand sage juif Maïmonide qui, il y a plus de 800 ans, avait dit « Une seule action, un seul mot, même une seule pensée a le pouvoir de faire pencher la balance universelle et d'apporter ainsi la rédemption au monde. » Le rabbi a expliqué cela ainsi. Parce que la nature fondamentale de notre monde est parfaite et bonne, chacune de nos bonnes actions est réelle et durable. Tandis que chaque chose négative n'est rien d'autre que cela même, un phénomène négatif, un vide qui attend d'être dissipé. D'où la fréquente comparaison du mal et du bien aux ténèbres et à la lumière. L'obscurité, aussi sinistre et intimidante soit-elle, n'est que l'absence de lumière. La lumière n'a pas besoin de combattre et de vaincre l'obscurité pour la supplanter. Là où la lumière est, l'obscurité n'est pas. Une petite lumière peut donc repousser un océan de ténèbres. Aussi sombre que le monde puisse nous paraître, une action unique peut y faire jaillir la lumière. Un professeur vint un jour se plaindre au rabbi. Il était déçu de son entourage, prétendant que les hommes peuvent sembler être gentil et même exprimer parfois une certaine compassion, mais qu'en fait, en creusant, il se rend compte de plus en plus que tous, au fond, étaient égocentriques et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. « Pourquoi la nature humaine est faite ainsi ?» demanda-t-il au rabbi. Le rabbi lui répondit par une parabole. « Quand vous marchez dans la rue semble élégante, attrayante, avec de belles maisons, de beaux arbres, des routes pavées. Mais si vous prenez une pelle et que vous creusez sous cette façade, vous découvrirez alors un sol plein de poussière et de terre. » Puis le rabbi continua. « Mais si vous continuez à creuser encore plus profond, vous finirez par découvrir des pierres précieuses et des diamants. » La Torah dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est donc en creusant avec persévérance qu'on pourra trouver le divin en chacun. Le Talmud nous enseigne, au sein du peuple juif, même ceux qui fautent sont en réalité gorgés de mitzvot comme une grenade est pleine de graines. Cet enseignement fut évoqué lors d'un entretien entre le rabbi et le rabbin d'une certaine communauté. Et ce dernier dit au rabbi « J'avoue ne pas comprendre comment peut-on dire que des mécréants sont pleins de mitzvot comme une grenade est pleine de graines. » Le visage du rabbi pâlit et le rabbi lui répondit « J'ai également étudié ce passage, mais moi c'est la question inverse qui me préoccupe. Comment peut-on qualifier ces juifs pleins de mitzvot de fauteurs ?» Voici deux approches très différentes. Très souvent, ce que nous voyons dépend principalement de ce que nous recherchons. La différence de point de vue entre le rabbi et ce rabbin ne portait pas sur la quantité de mitzvot. C'était une question essentielle. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Nous trébuchons de temps en temps. La question est de savoir ce qui définit notre essence et ce qui est superficiel. Ce rabbin regarde ces juifs qui de temps en temps font une mitzvah, font une bonne action, et pour lui, cette mitzvah ne reflète pas leur essence.
leur vraie vie, c'est la vie qu'ils mènent au quotidien, une vie matérielle sans, parfois, très pauvre en spiritualité. Pour le rabbi, cependant, c'est tout le contraire. L'essence du juif est pure, son âme est une parcelle divine, et la vie qu'il mène est-elle superficielle? Le 6 Tishri 5735, lors d'une réunion chassidique, le rabbi évoqua l'histoire tragique racontée dans le Talmud à propos de Myriam, la fille de Bilga, qui abandonna le judaïsme et épousa un soldat grec. The Talmud relates, the priestly dynasty of Bilga was punished for the deed of one of its daughters. But why punish the entire dynasty? The Talmud answers, because woe is to the wicked and woe is to his neighbor. In that case, the Talmud continues, good is for the righteous and good will be for his neighbor. For the power of goodness is infinitely greater. A classic piece of Talmud in a totally new light. Banege zu dem Sinn von Mesichte Suke, mit gefind a durch dem Sipur und der Meise von Miriam Bas Bilgo, i da far is a reis in der Gmorde der Limut, von Tevla Sadek, Tevla Schene. Wie bald a sie durch hier, was a reis gekommen, darf sich hier kommen der Far Aschad. Die Gmorre sagt, am Wosse gewähr Miriam Bas Bilga in mir und das, übergebieten dem Rennen. Die Tag in Gräser ist die Gräser in die Fühle. Wosse dann noch gewähr Nisas les Abdiet. Chasnig hat mit nicht genieden. Dann noch sagt die Gmorre, Wosse sie getan ist, ja reingegangen und hat angenommen den Beis Amigdor. Und danach hat sie genommen, Topfhal am Isbeach und hat gesagt, Lukus, Lukus, als Echel Mamenem shall Israel, wenn er mit Lehem Bezerosset. Was für ein Erlach hat Tosh, da gab er ihm Miro Dosser und da gab er Nisas Lissardi. Seht mir das, a viele Miro Dosser und a viele Nisas Lissardi. Und sie gegangen mit die, was haben angenommen den Bezamigdash. Herangetragen dahin zu der AW, die Inni von der Dalle, was wir dort machen. Ist einfach bekämen, Mond mehr von ihr, oder doch so, was ist geklappt mit der Sandel auf dem Isbeer. Wo ist da der Schwachste bedauert? Und da ist ein Dwarchidisch. Er sagt im Posseg in Spanien, כי רק אסכם יודעתי מכל גאי אורץ על כן אפקד עליכם אסבניכם. עודוס ווס ממון בעיין, פרווס ארטוט הנביר ונרהוד אפר הנניש, אידס מצד חביבה שלה. מצד החיבה איזנגאי דמייבשן פרווס ארטוט ניץ וסיבחת זה. רחמון אצלן אצל חוגש ניתן פן כל העניונים. Sagt mir, nein, wo auch geschnitten, was auch geschnitten, dass mir nicht bechizeni ist. Seht mir nach, da viele in Asami meine Dumatze von Emiro Dosso, wenn es aus Lissani, und gegangen mit den Goyen, was ein gegangen in Beis Amigdash. Versteht ihr, dass es nie gewesen in der Nefe Schultare. Allah, es kam, wie kam es bei ihr. Was hat ihr gehabt, weil was ihr der Misbeach nicht mögen auf der Jiden? Und da sieht man, was ein jüdisch Kind ist, nicht das gesagt, der sagt etwas, hat noch Homme gehalten mit ihnen und hat angenommen Jerusalem, hat angenommen den Besamigdash, angenommen den Misbeach. Und sie geht mit ihm mit, als ein Samen, was ein Scheich ist. Schaut danach, aber sie da sieht, was tut sich mit der zweiten Nieden, schreit sie, Lukus, Lukus, für was hältst du nicht genieden? Für was erzählt, dass die Gemorre kommen und hielt, nicht hast du schon, nicht hast du schon, nicht hast du schon, nicht hast du schon,
Adrabin druf darf man die Gemorde des Ziltos gedeiht zu beweisen, was er hier dies, was er dort der Hirol, Chola, Deris, Kulom. Am geht er ist in Gas und es hat er jeden, was bei Chizel ist, fühlt er sich nicht an sich. Und er fragt bei ihm, ist das ja nicht magisch. Lechere können sich damit abschrecken sich und sagen, mal hier zu dem Jeden. Der Zeltem der Gemorre in Suche soll es wissen sein, ob von unter dem Jeden kann er reis der Limut von Tevla Zadig, Tevla Schchene. Nur bei dem, das hängt ab in dir, als reden mit dem Dworim a Jesem in der Lev, wenn sein nicht Nossem er war Lev und Peel im Polossem. Voici peut-être l'un des exemples les plus incroyables de la recherche inlassable du Rabbi pour trouver le bon dans chacun. Ici, le Rabbi revisite l'une des périodes les plus douloureuses de l'histoire juive. Et n'hésite pas à trouver le bon, même chez une personne qui a abandonné son peuple et sa foi, s'est joint à l'ennemi. Et le Rabbi fond en larmes en entendant ce que seulement le Rabbi pouvait entendre dans les mots d'un juif, dans les cris de cette femme, pleurant les douleurs de ses frères et sœurs. Ici, pas seulement le Rabbi nous apprend à regarder Myriam sous un angle positif, mais elle devient une source d'enseignement et d'inspiration. Car pour le Rabbi, chaque juif est plein de mitzvot, comme cette grenade gorgée de graines. Un homme dit une fois au Rabbi qu'il trouve hypocrite le fait de se rendre à la synagogue seulement le jour de Kippour. Le Rabbi lui répondit qu'étant donné que l'endroit naturel d'un juif se trouve à la synagogue, alors c'est quand on ne s'y rend pas qu'on peut paraître hypocrite. Toujours regarder l'essence du juif, l'âme juive. Voici l'enseignement du Rabbi. Si je peux me permettre, cette vision du Rabbi, mon père, chassid du Rabbi, a su en être l'exemple vivant. Les nombreux témoignages qui nous ont émus très profondément montrent combien il était imprégné de cette vision du Rabbi. Il savait trouver le bon en chacun. Alors son exemple nous accompagne pour s'attacher davantage au Rabbi. Puissions-nous mériter la venue de Mashiach rapidement de nos jours avec le Rabbi à notre tête. Ce jeudi, nous commémorerons la Hiloula du Rabbi. Le Rabbi avait fixé un certain nombre de coutumes à respecter à l'occasion de la Hiloula du Rabbi précédent. Ce sont ces mêmes coutumes qui ont été reprises pour le 3 Tammuz et vous pourrez les retrouver plus tard aussi sur le site toratimes.fr. Je vais citer quelques-unes. Le Rabbi demanda d'allumer une bougie de 24 heures depuis la veille de la Hiloula, donc depuis ce mercredi soir. Pendant chacune des trois prières du jour, allumez à la synagogue 5 bougies devant l'officiant. Le matin de la Hiloula, donnez de la tzedaka au nom de chacun des membres de sa famille pour une institution du Rabbi. Aussi, consacrez un moment dans la journée pour parler du Rabbi, de sa grande Ahavat Israël, à sa famille et à son entourage. Étudiez les chapitres de Mishnayot correspondant aux lettres qui constituent le nom du Rabbi. Vous pourrez les télécharger aussi sur le site toratimes.fr. Ce jour-là, il faudra le consacrer pour étudier les enseignements du Rabbi. Et rédiger un pan, un pidyon nefesh, une lettre de demande de bénédiction, en y précisant son prénom et le prénom de sa mère, qui sera lu sur l'OL du Rabbi, que vous pourrez aussi faire sur toratimes.fr.